Chers amis, encore une fois, mes missions pour rentrer la caille où le docteur nous conseille. C'est avec plaisir que nous saluons tout le monde qui a écouté nous. Nous voulons dire bonjour, bonsoir, dépendamment du côté que vous attendez nous. Et nous voulons saluer le docteur Jean-Daniel Falaise, l'infatigable. Bonsoir, docteur Jean-Daniel. Bonsoir, Chantal. C'est toujours un plaisir pour nous dire bonsoir à tous les amis qui ont écouté nous. Oui, comme nous connaissons, nous avons entamé un sujet qui est extrêmement important pour les femmes. Toutes mesdames qui écoutent nous, c'est fibrome. Nous avons dit, ouais, qui sa fibrome, qui côté que li capable de développer et comment que nous capable de connaître que nous faisons fibrome. Et je dis, comme nous te promettons, nous allons venir avec traitement et complications. Nous capable de passer tout d'abord dans une série d'images topographiques que nous avons toujours fait pour nous capable de mettre nous dans l'engouement pour nous capable de tendre les bagailles et puis pour nous voir qui ça pour nous faire. Donc, passez dans l'image. Bonsoir à tout le monde et c'est toujours un plaisir que nous gagnons. Pour parler de thème, ça sera assez intéressant. Nous avons continué avec Fibrom que nous gagnons des émissions. Nous avons parlé de thème, ça qui est assez fréquent, surtout dans les femmes haïtiennes, les femmes noires, les femmes d'origine africaine. Afro-caribéen, américaine, origine africaine. Nous avons dit en général, la majorité africaine dans le monde. Maintenant, nous avons la fois dernière, un fibrome est capable de passer inaperçu ou encore les papilles asymptomatiques. Et nous avons que parfois, il y a des fibromes que nous avons gagné, il n'y a pas même besoin d'intervention chirurgicale du tout. Bah, ok, maintenant, parfois aussi, il y a des fibromes qui ont causé de très graves complications. Tout d'abord, ça va dépendre de taille fibrome et localisation. Dans l'image, ça, nous avons un fibrome là qui est très fréquent en pile. Alors, nous te préparons déjà, je vais passer sur à pied joint avec nous. Tout d'abord, les fibromes ont causé des anémies, des pertes de sang. Nous avons dit la dernière, surtout des métrorragies, encore des ménorragies, mon abcès en pile, et surtout entre les règles, et mon abcès en anémie, mon carence en fer. Ça, c'est une complication fibrome dans le bail. Les fibromes qui ont ça qui nous en pédicule, ils ont tige là-dedans, et bien, ils ont subi ça qui nous en torsion, ils ont couché sous tige là, ok? Et quand on patient, il y a de très fortes douleurs au niveau pelvien et douleurs de manière permanente. Ça, c'est une complication fibrome. Et nous avons aussi de cas côté que, et lorsqu'on a un gros fibrome, comme nous l'avons déjà, parfois c'est pas gros, il n'y a pas causé problème, mais le gros, il y a causé une compression des organes et qui avoisinent. Par exemple, les causes, les compresser VCA, les compresser, les font pression sur vagin, et les compresser au niveau postérieur, les compresser rectum, on consigne mourir là, les causer une sorte de constipation. Et nous qui parfois et des fibromes ont causé compression artère veinaire. Ça a dit si. Les compressés artérieux ou bien on des veines au niveau anus, on a problème hémorroïde extrêmement fréquent. En plus, le monde ça aussi subi hémorroïde. Au niveau des veines, les cabas, ça qui nous est en oïdème, on a des varices. Ok? En plus, le patient qui a des varices, c'est à cause d'un fibrome. Et aussi, il y a gagné, ça qui nous est une névralgie, ça veut dire une névralgie, et bien son douleur qui au niveau pelvien, dans la région ça, au niveau pelvien, maintenant ça c'est une douleur, il y a parfois qu'on descend dans la jambe, dans la jambe là, parce que il est suivi par le nerf, par exemple, si la jambe moins lourde, et parfois il est sensible. Maintenant, ça c'est à cause de compression des artères, des veines et des nerfs qui causent problème ça. Ou bien névralgie, c'est des nerfs.
au niveau artériel, les causes un manque de circulation et au niveau des veines bon varices, OK, il y a bon hémorroïdes. Donc tout ça rentre en jeu. Maintenant, et généralement dans cas ça yo patient lui-même pour sentir que il vraiment inconfortable surtout donc bon pression au niveau du vagin là surtout le second gros fibrome comme ça au cours des fibromes sous muqueux qui poussent en vagin même en dedans ça même je m'excuse et c'est moins important ça il y a un problème surtout au niveau de grossesse là ouais ça après qui genre de complications qui arrivent lorsque on fibrome qui est situé en dedans cavité et intestin même et que fille enceinte qui ça qu'elle capable faire. En gros, chers amis, nous va gagner image ça. Ce qui est important pour nous c'est que et lorsque fibrome là compliqué et bien il affecte aussi des artères, surtout artère fémorale là, OK. Nous va voir ça yo et enfin tout les affecter nerfs au niveau de dans périphérie, ben on sort de douleur, on sort de névralgie et les affecter organes voisins causer des veines de varices et parfois les affecter vessie généralement il y a un gros problème tout à pipi tout le temps fio mesdames au vent inconfortable et yo vinn constipé avec des yo vinn gagner problème tout hémorroïde comme à bail ça même dans sel yo. Alors n'a pas en loin là tout thème ça yo en gros et n'est que fibrome lui-même son maladie parfois qui passe inaperçu mais c'est compliqué et bien capable causer des gros problèmes traitement yo n'a pas bien sûr très bien sûr après avec nous côté que et on fibrome parfois il connaît pas besoin de traitement du tout mais pour voir tout est important faut que le traiter faut que on extirpe lui parfois pile et surtout lorsque les gros en pile. Donc, il y a des problèmes, il y a des complications. Merci, à tout à l'heure. Donc, nous sommes images claires et précises, nous voyons comment pour nous capables de traiter les fibromes que nous gagnons. Donc, nous demandons au docteur, quel type de traitement qui est plus précis pour capable faire les fibromes? Bon, eh bien, en parlant de traitement fibromes, Chantal, bien sûr, lorsque on fait les fibromes, nous que en pile fois nous pas besoin de traitement en pile cas. OK. C'est seulement nous besoin de surveillance parce que et pour capable et si on a grandi parce que chaque devient plus gros, les cas peut causer des problèmes à la longue. Donc il est extrêmement important pour qu'on suivi qui fait dans sens ça, mais sont surveiller ça. Et sinon et son fibrome qui par exemple qui a causé problème, les pas chita en dans matrice là. Et parce que si c'est un fibrome et socio qui est là dans la matrice là, il va venir causer problème avec grossesse parce que lorsque mon enceinte et qu'on gagne une sorte de pose implanté dans la matrice là pour causer problème dans cas ça et faut qu'on a devenir trop gros, oui, faut que on remove fibrome ça ou opérer mon retirer correctement pour si tout on les filles dans l'âge pour procréer, pour être petite. Ça est extrêmement important. Et parfois, on a bien un suivi qui a fait pour nous un traitement hormonal qui pour empêcher pour nous grandir trop, pour empêcher bébé achita. Ça, c'est une mesure qu'on comprend. Ou bien, mesure qui est picolée, même c'est chirurgie. En général, fibromes, il y a un mot, il y a un retiré. Il y a des traitements médicaux que le médecin nous a avec nous, il fait pour nous un protocole de traitement. Mais en plus de fois, dans le cas général, ils retirent les fibromes net directement. Et donc, dans le cas que ça est plus compliqué, par exemple, il y a des gros fibromes qui viennent causer une déformation au niveau de l'utérus. Ils sont obligés de faire pour moi, ça veut dire qu'ils ont une hystérectomie. Ça veut dire qu'ils retirent les matrices net directement. Ça fait généralement, surtout ces gens qui ont atteint l'âge. Et c'est quand on n'a pas fait petit, mais encore généralement. Au lieu qu'il y a un traitement pour un an, il y a qui fait et c'est encore totalement fini. Ou encore parfois, tout avec ménopause, les fibromes viennent à rétrécir normalement. Parce que on connaît que il y a un cas extrême, il y a une influence hormonale sur les fibromes, par estrogène, progestérone. Lorsque on a fait ménopause,
ovaire pas produit encore assez estrogène pour l'estérone, donc il est fait venir rétrécir, mais nous n'avons pas besoin d'opération, mais bien seulement un suivi médical en général. Mais en gros, nous avons que février opéré, c'est février, il y a une grosse pile et il y a des problèmes. Là, ou encore, il y a des fibromes qui viennent affecter un certain organe qui est censé, qui est organe qui est proximal de la matrice. Par exemple, il y a bladder, vessie, mon nom, nous avons tourné, par exemple, et nous avons déjà, il a causé des problèmes, on a fait pipi souvent. La comprimer et vessie, la compresser et rectumna, c'est bon, il a causé constipation. Dans le cas de ça, on a des gros fibromes qui ont des problèmes, il faut que là, on opère pour que l'on ait bien, parce que l'on a une douleur, on sort de et on lourdeur au niveau matrice, au niveau bassin, et ça cause des problèmes. Nous allons tout de suite après. Complication la idée générale. Mais en général, fibromyalgie, lorsque c'est trop gros, c'est toujours mieux que yo opérer retirer exactement le fossile pour vous. C'est question que d'après le pose au docteur Falaise, puisqu'on dit fibromyalgie qu'on gros en pile. Donc normalement, donc quel type de complications que nous capables gagner? Est-ce que les petits tout les capables bah ou des complications? Donc expliquez-nous clairement qui complications que fibrom capable bah yon fille par exemple. En général, fibromyalgie lorsque yo pas gros, yo a causé problème et du tout. Et nous en pile cas, mon nan comment un point si fait fibrom même, c'est par exemple médical pour découvrir ça. Donc généralement, on fait fibrom qui pas trop progresser, qui pas trop grandir, sont tumeurs bénignes que lié, de comme pas besoin directement rien du tout, il a causé problème du tout. Quand mon dieu fibrom avec des années mon pas même connait il va y avoir symptômes de fibrom asymptomatique. Maintenant, dans quelques théories la semaine dernière, on sait des fibrom qui a grandi, qui vient de gros en pile, vient causer ça que nous relais une compliqué vie mon nan. Avec mon nan devine gain ça que nous relais yon bétourage, c'est vrai? Mon nan devine gain on sait des sang à pour la baille entre règle devine très longue et sans ça yo une causer mon avis anémie avec le temps. Ça, c'est une complication fibrome. Mon avis anémie. Parce que mon avis perd un peu de sang, donc il vient en carence en fer, mon avis anémie. Ça, c'est une cause, une complication. Fibrome, ça, parfois, il est obligé de prendre des mesures extrêmement avec eux pour que soient capables de remover pour les patients qui ont une vie meilleure. Il y a des fibromes aussi qui sont tellement gros, ils viennent causer des problèmes au niveau rectum là mon ça tout problème constipation tout temps mon a frappé les fois à la toilette nous que mon a un problème et il y a pour hémorroïdes parfois et notre n'a pour tout gain dans cas en avant par exemple en bas de compresser baisser mon nan ni quoi un problème tout temps et il y a une douleur et la uriner souvent ça les même parce que c'est des gros fibromes surtout des fibromes intra bureau qui n'a juste la même et matrista une cause des problèmes à proximité organe ça. Maintenant à part de ça tout grand série de fibromes qui tu ça des fibromes pédiculaires avait dit fibromes digitales des pédicules des tiges là en ligne devine qu'on cause en torsion il penché il couché sur lit et lui la lui va problème il va mon douleur abondante et constante mais tout grand douleur et mon ça dit même parfois et tout ça c'est un disconfort au niveau et pelvien pour ça parfois maintenant il y a pas une règle il y a douleur tout le temps et tout ça c'est douleur ça à manger tout le temps donc car lui même c'est un fibrome qui est pédiculé et lui même penché et il y a problème le bas qui est encore extrêmement important quand c'est gros fibrome qui va affecter par exemple le système de circulation. Donc, le nerf fémoral, nous avons la dernière image là, nous avons des artères fémorales par exemple, affecter artères, affecter les veines par exemple. Les comprimés veines, il y a une cause qui ouvre une autre édème au niveau et bon, mais inférieur, la circulation n'est pas faite bien, on a des problèmes de varices par exemple. On peut le patient qui souffre de varices dans le membre et c'est à cause des fibromes qui est vraiment gros, qui compte cause ça,
et gagne tout qui gagne problème respiratoire et qui est on peut mener la névralgie, on douleur des nerfs par exemple. Les premiers nerfs yo et les causes problèmes au niveau et bassin en tout. Tout ça aussi sont des complications, mais ça yo seulement nous yo et aussi parce que mon a gagne des aussi de gros fibromes. Mais si fibromes n'est pas gros, n'est pas et causé problème du tout de compression, ça va pas gagner. Donc ça en général c'est complications qui plus fréquentes que nous jouons, on se dépasse qui fait fibrome, surtout lorsque le fibrome a grandi, il y a une main grosse, il y a une grosse, il y a un problème. Des débats qui gagnent par exemple, c'est lorsque le fibrome ça, il y a une déformée matrice là. On ne dit pas déformée net, il y a une déformée, il y a une tellement lourde, il y a une tellement gros, il y a un patient en disconfort général. Parce que ce n'est pas bien du tout. Fibrome sa yo, solution, c'est remover ou encore passer une hystérectomie que qui capable yon vie normale. Si tout dans ce passé bon l'âge, il a fait mon encore les mieux que ou faire pour une hystérectomie pour que les capable yon vie normale. Et débat qui gagne, pas oublier que les fibromes qui a causé la aussi de jeune dame, ça qui veut dire infertilité. Yo sta matrista, si tout les nous avons déjà ce surveillant, il a empêché l'opération, je l'ai fait, et fait tout ça fait, et mon avis est infertile directement, parce que c'est un gros fibrome qui vient remplir la section, sa fonction, sa, ou la matrice pour porter bébé, et bien vous-même vous occupez. Et mon avis est un gros ventre, mon avis vraiment inconfortable, et ça cause des problèmes, la carence des femmes, et au point de vue psychologique et psychique, c'est solution, c'est traitement définitif. Opération, chirurgie, hystérectomie parfois, qui m'en a convié normalement. Donc, nous voulons dire à tout le monde qui t'a écouté nous merci et à Dr. Falaise, nous ne savons comment nous dire merci pour façon claire et précise que vous expliquez nous complications yo, et comme ça, nous-mêmes qui fait fibrome, mesdames, yo, nous connaissons comment pour nous traiter, qui ça pour nous faire. Donc, c'est à remove fibrome pour nous pas gagner des complications et pour nous pas gagner une série de problèmes à la longue également pour nous pas sentir nous pas paraître sexy ou bien nous pas OK. Donc nous joignent après-midi et là nous joignent nous toujours dit nous ça pour nous faire avec partager et comment qu'à partager simple et précise ou taper Jean Daniel Falaise et puis qu'on y a aller sous petite cloche là à droite ou cliquer sur lui pour capable inscrire ou encore capable subscribe et comme ça les nous sortir avec émission ou capable suivre bien et pour qu'a connait qui les que yo sorti ou a sorti sous petite cloche là pour aller sur côté elle marquer tout ou cliquer sur lui en l'air et puis qu'on y a même la ba ou yon ti notification yon ti alerte qui pour dou gagne yon série qui fait sorti donc n'a travail pour ou même inscrit et formé tout et qu'on soit capable aller au foil former un l'autre. Donc li extrêmement important pour nous capable connaître ça qui gagne encore nous qui ça que le capable faire et comment nous capable parcourir problème ça que nous gagner la caille nous parce que ou pas pour corps nous là pour nous capable supporter comment capable faire tout sous gain question voyez question ba nous gayon là que nous pral rete c'est question seulement que nous pral répondre spécialement sous côté fibrome ça sous gain fibrome ou connaît qu'on gain des complications relé nous ou encore posez nous des questions et nous même n'a capable avec plaisir n'a expliquer ça pour faire et ou capable aller sauver l'autre monde tout. Donc docteur Falaise nous voulons dire merci. Et à la semaine prochaine et à tout amis auditeurs nous yo et ou bon bon ajouter docteur Falaise. Donc merci Chital et à tout monde merci et à très bientôt. Donc à amis internautes nous yo à moun kap suiv nous sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, quel que soit côté que vous allez, nous voulons dire merci et à la semaine prochaine.